Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui annonce tout de suite du fight, des embrouilles, du drama. Oui, ces mots étaient trois synonymes. Et oui, on se retrouve pour le grand tournoi Brawlhalla. V2. Alors, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'ancien grand tournoi qu'on avait fait sur la chaîne? Déjà, dans l'ancien, on était 2, voire 3 vers la fin. Là, on sera directement 8. A savoir que moi et Hoho, n'allons pas jouer, on va juste être commentateur. Parce qu'on est des très bons commentateurs et on aime commenter, n'est-ce pas? Non. Alors, laissez-moi vous présenter, sans plus tarder, les 8 participants de ce tournoi. Alors, on a au tout premier Nexo, en deuxième Mario, puis Famacito, puis ce pseudo bizarre que je ne saurais pas prononcer, Evil Dark, qui est au passage très ténébreux, Sanilis, Vendetta 4, et pour finir, la légende Boussaad. Alors, comme vous l'aurez deviné, il y aura des quarts de finale, des demi-finales et une finale. Donc, 3 vidéos, 3 épisodes. Bon, je vais quand même rappeler les règles du jeu. 2 adversaires, une map, chacun a 3 vies. Et le premier qui n'a plus de vie perd tout simplement le combat. À savoir que les objets tels que les bombes, les boules à pic et les mines sont désactivés. Bon, sinon, j'espère que la vidéo va vous plaire. On s'attaque tout de suite au premier combat qui opposera Nexo à Mario. Moi je parie sur Lucien, c'est-à-dire Mario. Ouais, déjà il provoque, Attends, je vais close le chat. Mais ils ont tous les deux un bon niveau hein. Ouais, 46 et 25, pas mal. C'est qui le 46? 46 c'est Mario. Nexo. Oh. C'est Mario, niveau 46. Oh, ouais. Oh là 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 là. Wow. Mais dommage qu'il peut pas micro l'autre hein, vocal. Très bon mouvement en tout cas. C'est pas grave, je prends sa place. Vas-y, prends sa place. Comment on... Moi je parais. Mario, c'est tout ce que tu sais faire. Ah, j'ai du mal. J'avoue qu'il a du mal, hein. Ah, il a du mal, j'ai du mal. Oh, Nexo il gère, hein. Ouais, il gère les deux. Merci, hein. Merci. Il y a des petits problèmes là. Ah là là. En difficulté. Oh là là. Non, il joue bien Nexo, hein. Ouais, mais. Ouais, il joue vraiment bien. Il joue vraiment. Ah, il joue trop bien. Un peu trop. T'as ramené des gens de la haute. Putain. C'est vrai qu'on sache combien est-ce qu'il adore de jeu. Nexo, je parierais sur 3000. Ça se voit 3000. 3000 Je plus que World. Wouah! Oh attends, vas-y, remets! Oh non, dommage! Putain! Bien joué Mario, hein. C'était juste lui qui était bien. Franchement, franchement, beau combat! Beau combat! Franchement, défoncé! Quoi? Tu finis rapide! Franchement, c'était rapide, j'ai envie de voir un deuxième! Bon, et ben, résumé du combat, il était très bien, vraiment très beau. C'est une victoire de Nexo, mais les deux ont très bien joué, les deux étaient très bons. Donc, on attaque tout de suite le prochain combat qui opposera Famacito à. Au pseudo bizarre là. C'est quoi ton pseudo FDP OOOF? Ouais, c'est ouf. Genre, ça, c'est du lourd. Ça commence de façon smooth. Smooth. Attends, FDP, ok, Kazora, c'est Famacito. Ok. Eh, tu manies bien ta légende, Famacito. Ouais, mais bon. Ok. Ah, GG. Putain, c'est ça. Oh, ouais. Putain. Oh, bien joué, bien joué. Ah ouais, c'est beau. Hein. Ça va, pour l'instant. C'est qui a perdu une vie? Ah, c'est ouf. Après, je sais pas. Oh, il peut remonter, lui reste mec, il peut remonter encore, hein, ça va. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est pas si à l'aise que ça avec Humber. Ça va. C'est les joies du random. Et la free random. C'est un fou. Moi, bah, il a voulu faire beau jeu, bah on va pas faire bâtard. Hein. Bah ouais, c'est vrai ça. Bon après, j'avoue, vive le beau jeu. Ah non. Ah, GG. Ah, c'était vraiment bien joué. C'était GG, mais dommage. Ok, ça va, ouf, il rattrape. Ouais, parce qu'il a fait une erreur au début quand même.
Ah bon, il se rattrape, il est un peu... Il est un peu acculé. Nous aussi, on voit un peu le camp avec une petite latence, donc... Ah. Ah bah... Je te laisse une arme, je suis fair play. Okay. Bah, non, fair play. Moi j'ai envie de... C'est normal, hein. Je fais tout le temps ça même moi. Très beau jeu, Famacito. Hein. Très beau jeu. Moi j'attends le combat de Emine Dark aussi. Il risque d'être bien. Non, toute la pluie nuée, elle va être pourrie par les cancers. Ouais, les cancers, on aime pas les cancers. J'avoue que les cancers, y'a que ça, surtout... Et t'allais te battre contre un cancer à la base, Famacito. Hein. La faux. T'allais te battre contre un cancer. La faux, c'est tellement... C'est cancer, non? Oui, c'est tellement pété pour rien, alors que... Bah... Même le marteau, ça m'a eu... Ah bah, GG. Ah, bien joué. Famacito... Bien joué, Bah, le son de Roblox, je vais t'appeler... Non, je vais t'appeler Roblox. Ah, en fait, ça vient de Roblox. Bon, bah, GG, hein. Du coup, là, j'ai perdu, là, du coup. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas... Franchement, c'est pas grave. Mais t'as bien joué, hein. C'est qui là qui doit exclure? Sanilis. Sanilis. David, j'ai envie de défoncer aller rejouer à Skyrim. Sanilis, il va te défoncer. Après, il va aller jouer à Skyrim. T'imagines? Okay. Tu vois le manque de respect, c'est grave. Je sais pas. Il est trop badass, moi je dis. Et Vildark, imagine, tu fais tout le mal hein, et tout, et en fait, tu te fais défoncer. Genre, ouais, imagine. Sur Sanilis. Hein. Je mise pour la première fois, on est sur la même. Attends, Evil Dark, il va le défoncer. Regarde comment il est fort, Evil Dark. Evil Dark, il fait juste la chaude. Oh là, l'hélicotum. Mec, il a même le temps de parler. Oh, il a fait des beaux combos, ça, je m'y attendais pas. Oh, t'inquiète, la chance du débutant. Oh, Evil. Il gère. Je pensais que c'était Sanilis. Sanilis, vas-y, donne-toi plus. C'est qu'une mauvaise passe, Sanilis, je te rassure. On vient de miser sur toi, là. Oh là 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 là. Bon. Il est tout fier. Putain. On a le droit de changer notre mise. Non. Moi, je dis Sanilis, il va faire une petite... il va un petit peu remonter. Ah, dommage. Voilà, ça remonte. Ah, ça va. Voilà, il a rien pu faire. Bien joué. Il t'a mis dans le mal, Evildark. Eh, Evildark, reprends, sinon tu vas perdre. Attends. Imagine, tu perds Evildark, genre, imagine. Imagine, genre, t'as fait la chaude et tout après. Ouais, tu fais la chaude, après tu. Vas-y, concentre-toi. Non, moi je dis la vérité, On est concentré, elle est de ouf. Vas-y, concentre. Concentre-moi, je regarde. J'admire. Concentration, Evildark, c'est la loose, hein. Non, en fait, il gère beaucoup plus que ce que je pensais. Je pensais que Sanilis. Ah, ça va, Sanilis, il reprend. Sanilis. Non, mais vraiment, là, pour la première fois, on a un combat très serré, tu vois, c'est pas évident. C'est vrai. Comme les anciens. Mais bon. Ah, il y a bien. T'as peur. Oh, mec, il provoque. Provocation. Ce que j'aime bien chez Villa. Toujours aussi provocatrice. Il a pas perdu de ses bonnes vieilles habitudes. Pas dans ces villes-là. Attention à Evil Dark, est-ce que tu vas perdre ta vie avant lui? Ouh. Non, là, bien joué ce coup. Par contre, là c'est serré, ils ont tous les deux deux vies. Genre limite la même couleur. Ah, Evil Dark. Evil Dark. T'es moi, en train de perdre l'avantage. Ah, Sanilis va gagner facilement. Surtout s'il marque des points là. Si. Moi je pense que c'est la fin d'Evil Dark, hein. Je sais pas ce que tu penses. Non, Evil Dark. Ah, franchement. Ok, ok, il remonte. Non, il remonte. Franchement. Voilà. Voilà, Evil Dark, il est un peu en mal là. Hein. Oh, non, Evil. Bon, franchement, ça veut dire qu'on aura gagné notre mise. Oh, oh. J'avais parié sur Sanilis. Attends. Faut pas se réjouir trop vite. Trop avant d'ici mon boss fight. Mec. Putain, attention Evil, hein. Parce que là, ils ont la même couleur ou pas là? Ouais, la même. T'as vu? Moi je dirais qu'il est un peu plus rouge, Sanilis.
Oh, et Bilda. GG. Eh, bien joué à toi quand même, Sanilis. Hein. Ouais, bien joué, t'as fait du beau boulot. Ouais. Bien joué, franchement bien joué. Ah, jusque-là, que de beaux combats. Mais c'est le moment maintenant de faire place au dernier qui opposera Vendetta 4 à Busad, la légende de ce game. Donc, que dire de plus à part que c'est parti. Busad, oh, la légende, la légende. C'est pas une légende, c'est pas joué, ouais. La légende va perdre. Oh, oh, ça a pas commencé maintenant. Je ne devrais pas trop insulter Busad. Déjà que je suis suffisamment impopulaire. C'est vrai. Putain. Imagine Mansoul, il est encore plus populaire. Genre, tout le monde va voter pour lui. Ça m'étonne, hein, parce que Busad, il a fait quand même des bunches assez fous. Oh, dommage. 3-1 pour l'instant, 3-1. Busad, tu peux remonter. C'est faux. Putain. En vrai, Busad, tu gères. Mais... c'est pas ton jour. Ouais, non, Busad, t'as pas de level. Hein, moi, non, mais moi, je dis, on est d'accord. Mais... pourquoi t'as pris Yumiko? Pourquoi? Non. T'as trompé la confiance. Il a pris Yumiko. Je voulais lui montrer que sa chatte était en feu. C'est ta chatte qui est en feu, ouais. C'est ta chatte qui est en feu. Non, mais parce qu'en fait, je voulais la peindre blanche, tu vois, avec les... Non, mais en plus, t'es bof, c'est ça. C'est bof. Voilà, Busad, enlève lui au moins une vie, sinon ça se fait. Non. Ok, bon. Ok, bon. Ça va. 3-0. Franchement, je suis fier de ma mise. Merde, je quitte. Bon, hey, Busad, t'as pas pris ton vrai perso. C'est vrai. Donc, vas-y, on accorde un deuxième combat quand même à Busad. Exclu, Mansoul. Vas-y, d'accord, vas-y, je te mets pas. Il est nul. Faut le dire. Hein. Faut le dire. Bon, Belladust, vas-y. Un dernier taunt. Franchement... je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Attends, il a pas encore perdu. Oh. Ok, c'est bon. Attends, on va voir l'action. Ok, bon, il a perdu. C'est confirmé. Non, mais en même temps, il a... Non, mais bien joué, Mansoul, bien joué. Mais il y aura un sondage. Mansoul, il y en a moins que toi. Combien d'heures de jeu? Je viens de vérifier, 31. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a demandé beaucoup de travail. Vraiment, c'était chiant au montage. Mais j'ai kiffé. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la liker ou la commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me récompenserait pour tout ce travail. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.